Grâce à ce projet qui nous réunit ce matin, la commune disposera de chefs-d'œuvre extraordinaires et modernes qui servira de référence et de miroir pour les autres communes. Je remercie le président de la République de sa présence continue dans tous les recoins du pays, preuve d'un chef d'État responsable et dévoué pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien. La réalisation du microparc de Moho s'inscrit dans les efforts entrepris par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour promouvoir et faciliter la création d'emplois durables à travers les 10 départements géographiques du pays. Nous travaillons sans relâche à inciter le développement d'entreprises privées partout à travers le pays. Or, comme disait l'autre, le secteur privé et le secteur public sont les deux ailes d'un même oiseau. On est condamné à vivre ensemble pour sortir le pays de l'ornière de la pauvreté, pour sortir le pays de l'ornière du sous-développement. Je tiens à saluer la coopération de l'Union européenne qui finance ce projet à travers le programme d'appui au ministère du Commerce et de l'Industrie. Le programme des microparcs a également bénéficié de financement de la Banque américaine de développement, à qui j'adresse également mes remerciements. Aussi, remercie-je l'ordonnateur national et les cadres de son bureau qui ont collaboré étroitement au montage de ce projet et qui ont permis d'en réaliser cette étape cruciale. Le microparc industriel de Moreau-Campérin constitue le dernier né d'un vaste programme, en même temps que l'un des objectifs les plus ambitieux. Sa conception s'inscrit dans une triple perspective. D'abord, celle du relèvement post-Mathieu. Le microparc de Campérin-Moreau s'inscrit dans cette dynamique visant à aider les populations du Sud et de la Grand'Anse à surmonter les chocs lors de passage des récentes catastrophes. L'Union européenne réaffirme à travers ce projet sa solidarité et son engagement aux côtés des populations des régions pour les aider en fournissant aux paysans et aux producteurs les moyens de produire plus et de produire mieux, de mettre en valeur les richesses du sol et de valoriser les savoir-faire. Le second objectif, c'est la déconcentration de l'économie. Le président, plus que personne, le sait bien. Tout ne se passe pas à Port-au-Prince, monsieur le président. Favoriser la croissance, en effet, suppose de décentraliser l'économie vers les régions qui jouissent encore d'atouts et de potentialités agricoles considérables. Certaines, en dépit des récentes intempéries, conservent une vitalité et demeure le lieu par excellence de la production de denrées telles que le cacao pour la Grand'Anse ou encore la mangue pour le Sud. Enfin, et c'est le troisième objectif, c'est celui de la relance de l'agriculture. Le ministre est là parmi nous pour en témoigner. C'est l'un des objectifs aussi de ce microparc que de valoriser la production haïtienne, qui ne doit pas rester comme par le passé, qui ne doit pas régresser comme par le passé, mais au contraire, reconquérir le territoire et les filières perdues. À côté du potentiel des filières telles que la mangue séchée, le cacao fermenté ou le miel, qui seront soutenus à travers ce projet de microparc, le caractère naturel des produits issus de l'agriculture haïtienne ouvre une fenêtre d'opportunité au pays pour exporter vers de grands marchés, notamment bien sûr vers le marché européen, avec la ratification attendue de notre accord de partenariat économique, et aussi de satisfaire bien sûr la demande alimentaire locale, un aspect essentiel de la sécurité alimentaire. Le microparc dont nous posons aujourd'hui la pierre correspond aussi à une approche tout à fait innovante de l'agro-industrie haïtienne. Il s'agit de mettre à disposition de l'ensemble des acteurs la chaîne
productive, un espace unique avec des outils et des équipements, des ateliers, une expertise et un encadrement technique. Grâce à ce micro-parc, les paysans de Campérin et de Moreau pourront améliorer leur technique d'agricole et la quantité des denrées sortant de leur sol. L'objectif du micro-parc, c'est aussi la lutte contre la pauvreté, qui se situe au cœur de ces initiatives. Le micro-parc va permettre d'augmenter les revenus de 500 producteurs de cacao fermenté, d'un réseau de 300 apiculteurs pour le miel, d'environ 1000 petits producteurs de mangue. Bref, au total, 20 000 paysans devraient à terme, d'une façon directe ou indirecte, bénéficier de ce projet. Ça fait 10 mois depuis que je suis à la tête de ce pays. Je me souviens comme hier du projet de micro-parc de Saint-Raphaël. Et j'étais entrepreneur à cette époque et volontairement, j'ai fait la viabilisation de l'espace pour permettre à l'État de réaliser le premier micro-parc industriel de ce pays. Malheureusement, problème d'incompréhension au plus haut niveau de l'État a empêché à la population de Saint-Raphaël de bénéficier de ce micro-parc. Je remercie publiquement l'Union européenne aujourd'hui qui nous a gratifié le premier micro-parc d'Haïti parce que j'ai vu le projet. C'est un projet qui va être exécuté sur 18 mois à partir du mois de février 2018. Mais je dois aussi vous dire que ce projet ambitieux, c'est un projet de l'ancienne administration. Je veux parler de l'administration du président Martelly. Et c'est pour ça que dans ma campagne électorale, j'étais clair avec ma fameuse phrase, je vais continuer, je vais corriger, je vais innover. Je vais corriger ce problème qu'on a eu dans le passé. Le projet était un projet de 42 micro-parcs, un micro-parc par arrondissement, parce que le pays a 42 arrondissements. La pose de la première pierre du micro-parc de Moreau, c'est un geste, je dirais louable, que l'Union européenne est en train de faire à son pays frère Haïti. Je profite de cette occasion pour demander à l'ambassadeur, parce qu'aujourd'hui, on est le 1er décembre, je sais que je pars pour l'Europe d'ici la semaine prochaine, mais je profite de cette occasion pour demander à l'ambassadeur qu'il nous manque 41 microbanques. Ça, c'est le premier. Le développement de l'agriculture passe par la transformation. Le développement de l'agriculture passe par la conservation. Nous sommes sur une zone fertile. La zone de Campérin et de Torbec. Ce micro-parc va accueillir 3 produits pour démarrer. Mais nous n'allons pas oublier le pois Congo. Nous n'allons pas oublier le maïs. Nous n'allons pas oublier le riz aussi. Parce que la plaine des Cailles, spécialement la plaine de Torbec, est une plaine de production de riz. 42 micro-parcs, j'ai une idée du prix de ce micro-parc. C'est environ 2 millions d'euros. Les 41 autres, ça fait 41 multiplié par 2. Cela veut dire, si on parle de 2,1 millions, l'ambassadeur de l'Union européenne, vous avez une lourde responsabilité d'aller chercher les 100 millions d'euros qui manquent pour les 41 autres micro-parcs.